question ça pose, c'est une belle question. Et je suis content pour poser une question ça. Maintenant, levez le lait, on tape la guerre colombienne. Raison. Parce que leurs droits fondamentaux sont violés. Parce que ce ne sont pas eux-mêmes qui ont assassiné Jovenel Moïse. Parce que nous-mêmes, le cabinet, nous convaincus que c'est les Matéli, les Ariel Henry et autres qui ont assassiné Jovenel Moïse. Parce que nous sommes convaincus que l'on a fait des Colombiens des boucs émissaires. Parce que nous, que ces maîtres affaires, ces hauteurs intellectuels, les gens qui font crime, qui ont caché, et puis pour le diable, qui ont fait Colombien, qui ont payé pour eux. Nous tapons la gueule et pas devant juste ça, ils nous tapent la gueule. On va pour nous comprendre. C'est que quel que soit le monde qui est privé de liberté là, il a un droit à service avocat. Même si on est haïtien, haïtien qu'on allait au Canada, haïtien qu'on allait aux États-Unis, haïtien qu'on allait au Saint-Domingue, on retrouve en difficulté. Les bambous, est-ce que avocat américain, avocat canadien, avocat dominicain, avocat français par contre constitué pour eux? Oui. Et ceci, quel que soit reproche que vous adressez à vous-même, vous avez droit à service avocat. Et, on n'est pas dans la calpe intéressant, mais que pas oublier, nous autres, dans l'enceinte du cabinet Maisonneuve et Associés, nous sommes convaincus que ce ne sont pas les Colombiens qui ont assassiné Jovenel Moïse. Voilà ce qu'il faut retenir. Et j'ai déjà donné les arguments. Le premier facteur montre clairement que Jovenel Moïse n'a pas été assassiné par les Colombiens, c'est la déclaration de son fils, la déclaration de Joverlin. Le fils de Jovenel Moïse, Joverlin, a eu à prétendre clairement que Jovenel Moïse était déjà assassiné bien avant l'arrivée des Colombiens dans la cour de sa résidence privée. Puis tu es capable de parler comme ça, oui. Deuxième facteur qui montrait que ce n'est pas Colombien qui a tué Jovenel Moïse, c'est manière qui a tué Jovenel Moïse. Parce que là, on a un avocat, il faut avoir une culture générale. L'avocat ne peut tout simplement avoir une connaissance livresque. Allez là. Il faut qu'on me soit dans toute bagaille de samedi à prendre depuis le fait qu'elle fait. Depuis bien avant. Bamdou. J'ai entouré Jovenel là. Yo pété gel, yo coupé fémur. Nous par contre ça veut dire. Ça veut dire que les gens qui l'ont assassiné sont détenteurs de certaines connaissances mystiques par rapport à la sorcellerie haïtienne. Parce que la culture, la tradition mystique par rapport à la caïnou, l'autre tout nous pété gel. Ça c'est pas bien de PTG Jovenel. Lorsque tout le monde est PTG, les oreilles sont tout tournant. Si vous n'avez pas initié, si vous n'avez pas initié, vous n'avez pas tout tournant. Vous allez de l'autre côté. L'oreille, il va kawé. Pour dire oui, c'est Matéli, oui, qui te fait complot. C'est Ariel Henry, pour qu'on comprenne ça, me le dit pas là. Eh bien, si, il va kawé à l'identifier mon nom, à essayer de moi pour identifier mon nom. Eh bien, si mon nom, tu as coupé pied, donc on va comprendre, il va pas camper. Nous ne parlons pas de série quartier défavorisé, de série négazam. Nous ne parlons pas de tuer un paquet de monde. Nous ne parlons pas de série frais d'action. Nous parlons de ça au fait. Méchamment des Colombiens, des boucs émissaires. L'aime de faire des boucs émissaires là. Monsieur, au fin de tout, il fin assassiné Jovenel. Et bien, il a besoin d'échapper à la sanction qu'il a mérité. Et bien, je nous groupe un de la guéchale à sous deux. Pas oublier, c'est important. Si je dis, c'est pas eux. Comme nous avons passé, comme tout ça, Colombien était là en Haïti. Pas oublier, il était bon juge, instructeur qui était le Noël 6. Roger Noël 6, je ne m'abuse pas. Monsieur avait décerné un mandat d'amener contre Jovenel Moïse. On ne pouvait pas procéder à l'exécution de ce mandat. Il fallait le support des étrangers, et notamment le support des Colombiens. Donc c'est la perspective ça qui fait rentrer là. Alors on ne pas qu'être imbécile qui ne va pas comprendre. On ne pas dire que c'est Colombien qui allait procéder à l'exécution du mandat d'amener.
Mais il y aurait Léo, d'après seulement de Léon Charles, l'ex-directeur de la police, l'a confirmé pour nous. Il y aurait les Colombiens. Pas même tu vas parler avec parents, tu vas parler avec Colombiens. Quoi dire Léo, à qui est-ce qu'il y a Léo? Et pas bon, non. La police, bon, non, là déjà, oui. Il y aurait les monsieur assassin, les haïtiens assassins, et qui éliminent Jovenel là. Il y aurait les Colombiens pour venir faire une bourrade. Pour venir faire une bourrade dans le cas d'exécution et mandat. Mais ce n'est pas comme si nous n'avons pas fini pour être tué, pour être assassiné président. Pour nous, avant que les Colombiens rentrent dans la chambre de Jovenel là, ils ont tué. Et puis, nous avons craché là, ils ont sous deux Colombiens. Mais ça, triste dans le cas d'affaires, ça, c'est que. Et il y a M. Ariel Henry qui ne voudrait pas que la justice soit faite dans cette question-là. Il y a Matéli qui ne voudrait pas que la justice soit faite dans cette question. Bon, Rafal Nek qui touye, Jovenel n'a pas vu lumière faite. Parce que si jugement fait, si lumière faite, en pile monde qui a couru. Et faites vous autres bord de nom ça, oui. Ariel Henry n'a pas vu procès à fête. Ariel Henry. Et Matéli n'a pas vu procès à fête. Et Bon Rafal encore. Martine Moïse égale non plus. Il n'a pas vu que lumière faite dans le processus. Mais c'est madame ancien président. Comme nous. Si vous regardez Martine Moïse dans différentes interventions, on va pouvoir coller seulement dans le corps colombien. Dernièrement, il faut que vous jugez colombien, il faut que vous condamnez, il faut que vous poursuivez. Il parlait précisément de vous-même. Mais, bon bagaille, pour nous. Pas comprendre, pour nous pas oublier. Ou pas dernièrement là, dans le cas d'action habeas corpus qui fait là, avocat Lévin Paléo dit comme ça que Matisse Moïse ordonné pour demander au juge là pour le déporter de la connaissance du dossier. Et que si le juge refuse de se déporter de la connaissance de ce dossier, on se rendra par devant la cour de cassation dans le cadre du recours en dessaisissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ouais, Matisse Moïse lui-même. Ils ont intérêt dans la lenteur dossier. Ils ont intérêt dans le blocage. Décision CSPN, CSPJ, après, il parle. C'est une belle question. Et je suis content pour vous poser une question. Mesdames, levez-moi en l'air. Nous tapons la guerre colombienne. Raison. Parce que leurs droits fondamentaux sont violés. Parce que ce ne sont pas eux-mêmes qui ont assassiné Jovenel Moïse. Parce que nous-mêmes, le cabinet, nous convaincus que c'est les Matéli, les Ariel Henry et autres qui ont assassiné Jovenel Moïse. Parce que nous sommes convaincus que l'on a fait des Colombiens des boucs émissaires. Parce que nous, que ces maîtres affaires, ces auteurs intellectuels, les gens qui font crime, qui ont caché, et puis pour le diable, qui ont fait Colombiens payer pour eux. Nous avons blagué. Et pas devant juste ça, ils nous ont blagué. Non? Là, ils ont une question de procédure. Là, il faut avoir la maîtrise des règles de la procédure pénale. L'an 2000 est pour devenir un jugement. Quel défavorable, pour devenir une ordonnance. Quel défavorable, nous t'apprenons. Nous t'apprenons aller par devant la cour d'appel, nous t'appelons lever arrêt ordonnance. Quel favorable, quel défavorable. Après ça, si nous voulons aller devant cour de cassation dysfonctionnelle, et puis c'est à partir de ce moment-là, nous t'apprenons aller directement. Ouemba procédure, nous t'apprenons aller directement devant la commission interaméricaine de Amoun. Et dans le cas d'un procédure comme ça, où il y a eu la guerre, Yvon Neptune, vous avez rappelé, vous avez arrêté de la guerre. Et puis nous avons râlé, nous avons la guerre colombienne. Parce que, vous comprenez bien, la loi dit que c'est pendant 3 mois pour mener une instruction. On a pratiquement 2 ans là. 2 ans, presque 2 ans. Ça, c'est inacceptable. Même si nous avons fait justice, si vous avez tant de monde, vous n'avez pas de danger pour juger colombien, si vous êtes si coupable pour condamner, si vous êtes innocent pour la guerre. Voilà. Mais ce que nous comprenons, c'est là, c'est un dégueu qui bloque le procès, bloque la justice là, et puis il a fait des démagogies, il a passé mon tête. Alors, je suis un intellectuel, si grand avocat, comme Ariel Henry, je suis comprendre que je suis passé mon tête. Donc, c'est ça. Et réponse pas, réaction par rapport à la question que vous posez. J'espère que vous comprenez et qu'à la prochaine, s'il y a une évolution dans le cadre de ce dossier,